Salut tout le monde, bienvenue aux 2 minutes Quantum. Aujourd'hui, on parle de 3 variations pour développer les abdos. Les abdos. Donc, première chose, le mythe qu'on entend le plus souvent, c'est de faire des exercices d'abdos pour avoir les abdos. Oui, mais non. Si t'as du gras par-dessus, ça paraîtra jamais. Donc, mange bien et perds du gras, ça va te permettre d'avoir tes abdos. Donc si tu veux des abdos musclés et forts pour t'aider aussi sur ton deadlift, ton squat, ton bench, ton chin-up, voici les exercices que je te conseille. Donc premier exercice, c'est toutes les variations de Gar Hammer Raise. Donc en fait, il faut savoir que les abdos, le droit de l'abdomen a comme fonction d'aller porter ton sternum au nombril ou le nombril au sternum. Donc le Flat Gar Hammer Raise, c'est que tu vas lever tes jambes et tu vas aller porter ton nombril à ton sternum. Deuxième variation, ça va être le Low Pulley Swiss Ball Crunch. Donc ce que ça permet, c'est d'avoir une plus grande amplitude de mouvement grâce au Swiss Ball, et ça permet de rajouter de la résistance avec la poulie, et ça permet d'augmenter la tension jusque dans le haut du mouvement. Troisième variation qui est très avancée par contre, c'est le Ab Rollout. Donc ce qu'on veut, c'est d'avoir un bon gainage abdominal, de serrer les abdos le plus fort possible, d'aller étendre le tronc le plus loin possible et de ramener. Donc je conseille des tempos qui sont constants, donc exemple 3 secondes descente, 3 secondes montée, ça va être vraiment efficace pour développer les abdos. Sur ce, bon entraînement et bon succès!